guys. J'ai vraiment une tête affreuse. Je me suis réveillée un peu tôt. Ouais, 5h ça va, mais je sais que je ferai pire parce qu'il y a les levées de soleil qui sont aux alentours de 5h pile, 4h30 du matin. Donc je sais que j'essaierai en fait de le faire demain, je pense. Parce que demain il fait beau, mais avec un peu de nuages et c'est parfait, je trouve, pour faire un coucher de soleil, un lever de soleil, je pense. Enfin bref. Aujourd'hui, on va essayer de commencer la journée en bonne condition. On va aller faire Mauna Falls. C'est un petit hike simple de genre 23 minutes aller, 23 minutes retour. Sauf que moi, je vais pas prendre le bus jusqu'au bout, jusqu'au parking. Je vais m'arrêter avant, donc je pense que je vais en avoir pour une heure aller et une heure retour. C'est un hike qui passe en fait dans la jungle pour ensuite terminer sur une petite cascade en fait, plutôt haute. C'est un hike qui est vraiment recommandé souvent, qui est par contre beaucoup visité. Donc c'est pour ça que j'y vais tôt le matin. Surtout que j'ai pas mal de bus avant, j'ai au moins une heure. Et ça ouvre à 8h, donc le temps que j'y arrive, normalement je devrais arriver pour l'ouverture. Espérons. Donc ça c'est le programme de la matinée. Et si en fonction j'arrive à finir tôt, je vais pouvoir me faire cuire mes pâtes. Parce qu'en fait je dois vous raconter quelque chose. J'ai comme qui dirait paniqué hier, tout simplement parce que les plaques à induction de l'hôtel ne fonctionnent pas bien du tout. Et hier, j'avais prévu donc de manger ce que j'avais acheté à midi, c'est-à-dire des pâtes et des œufs. Donc j'ai gaspillé un œuf parce que les plaques n'ont pas voulu fonctionner, j'avais cassé mon œuf avant. En fait, elles fonctionnent, mais pas assez pour faire cuire quelque chose. Pas pour faire cuire sur une planche, par exemple. Par contre, les pâtes, elles peuvent, mais il faut vraiment genre attendre, mais vraiment. Une heure et demie pour que l'eau boue. C'est vraiment un truc de fou. Donc du coup, je vais me préparer, je vais faire toutes mes pâtes là tout à l'heure. Faut que je finisse tôt. Mais voilà. Ça commence à pleuvoir, je rêve. Ok, note à moi-même. En rentrant, je passe un 7-Eleven me chercher une holocarte parce que je dois en racheter du coup. J'ai acheté hier pour une journée, ce que je ne faisais pas pour plusieurs. Et du coup ce matin, je me suis dit, allez, je vais aller recharger ma carte qui a 2€ la carte. Donc ça me ferait que 7$, instead of 9. And no, we don't recharge them. You need to go to the 7-Eleven. Ok, where is the 7-Eleven? Out of Waikiki. Ok, great. That's absolutely not what I'm looking for. Done. Donc du coup, j'ai dû racheter ma carte. Et en plus, je lui dis by card. Elle me dit, we only take cash. Like yesterday, I paid by card. Elle se fout de ma gueule. Enfin bref, donc je vais pour prendre mon bus, qui je pense a dû passer pendant que j'étais pas là du coup. Mais on va faire ce petit hike. Je suis contente qu'il pleuve en vrai, je pensais que... Enfin je sais pas, je sais qu'il pleut souvent, mais ça me fait plaisir en fait de me dire que là genre il pleut. Mais ça veut dire que ça va être très très boueux là où je vais et c'est pas cool. Enfin bref, de toute façon la plus grande menace là sur Mauna Falls, c'est absolument pas les dénivelés ou quoi, c'est vraiment les moustiques. Pour l'instant j'en ai pas eu vu un seul. Donc je suis contente, je vais bien me protéger. J'aurais peut-être dû me mettre un pantalon, mais il fait un peu chaud là quand même déjà. Donc bon, on verra bien. Bon, le bus n'a pas pris le trajet de base. Enfin, ou alors mon application a été erronée, mais d'un autre côté j'ai pris le même bus qu'hier. En fait elle me disait que je pouvais prendre n'importe quel des bus qu'elle me proposait. Ça reviendra au même, mais j'ai pas tilté que celui que j'avais pris hier, typiquement il faisait pas exactement le même trajet. Bon, enfin bref. Ouais, les gars, je viens de voir mon premier arc-en-ciel hawaïen. Hier, je m'étonnais de ne pas encore en avoir vu. La légende dit qu'il y en a un tous les jours sur l'île. Je suis trop contente. Je viens de le voir à l'instant, j'étais là. Enfin voilà. Bon, bah, vous pouvez peut-être le voir, mais s'il y a des arc-en-ciel, c'est qu'il pleut. Il pleut. Oh, il y a un gros arc-en-ciel juste devant moi, regardez. Genre, on le voit qui passe là, comme ça. Oh, c'est trop mignon. Enfin bref, je sais pas si j'avance parce que le nuage a l'air gros, mais le problème c'est comme ça que n'est pas waterproof. Ouais, j'en sais rien. Non. Bon, bah, on sait quand même parce que sinon je suis jamais arrivée moi. J'ai pas eu le bus, donc j'ai 5 km à marcher avant d'arriver au trek. Bon, allez, on va y aller. Je viens de sortir du bus, j'avais pas compris qu'on était déjà arrivé. Le mec il démarrait pas, j'étais sir. Donc là il faut que je marche un petit peu pour aller arriver jusqu'au début du trek, ce qui est normal. Et puis après je devrais y aller. C'est incroyable, on est entouré des montagnes. C'est exactement ce qui me fait rêver moi, ouais, c'est vraiment les montagnes vertes autour. C'est
Heureusement qu'il est passé le bus. Up there you have the famous point of view of Mount Niagara Falls. It's a 1.3 kilometers hike and in a luxuriant jungle. Je vais trop ma meuf. Enfin bref. Donc là on va passer sur un point hyper connu où je vais faire quelques photos parce que c'est vraiment un endroit incroyable. C'est vraiment une densité. C'est époustouflant et même étouffant dans les deux sens du terme. And here is the view. This is enormous. Je viens juste de croiser des filles, elles étaient hyper sympas. Elles voyaient que j'hésitais à leur demander pour me prendre des photos. Parce que j'ai essayé avec mon trépied, c'est pas le meilleur truc en réalité. En tout cas pour ici, c'était pas. Il aurait fallu quelque chose de plus proche de moi. Il est en train de pleuvoir gros fort. Mon sac n'est absolument pas waterproof. Ok, so this is actually so much slippery. Like, I fell twice. It's like, oh, rocks, but. Because it's raining and because it's already muddy, it's so hard. Whoa. Let's see when I get with the fall. It's up there that we're going now. Bon, il faut que je vous raconte parce qu'il s'est passé quelque chose de trop trop bien. En gros, donc là, je suis allée au... Oh, mes cheveux, my god. Ah, shit. C'est vraiment extrêmement, extrêmement glissant et encore plus quand il pleut. C'est extrêmement aussi muddy, de la boue, de boueux, boueux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est complètement dans une jungle en fait, mais vraiment une jungle, mais vraiment mais luxuriante, un truc énorme. Tu sens une sorte de force un peu sur toi, genre une vraie chaleur qui t'étouffe. Tu entends énormément d'oiseaux, j'ai vu une sorte de petit animal, alors je serais incapable de dire ce que c'était. C'est de la taille d'un écureuil, ça marche comme un écureuil, mais ce n'est pas un écureuil. C'était vraiment sympa, il y a un peu de dénivelé, mais rien de fantastique, hein. C'est pas, enfin, c'est comme des escaliers quoi. Et donc pour redescendre c'était un peu plus dur. Il y a énormément de choses à raconter. Déjà, on va pas faire attention à ma tête. Je sors de surf. Voilà, je suis allée surfer avec une fille. Et je viens m'acheter à manger. J'ai pas eu le temps de passer à la douche parce que ma roommate y était. Elle a pris un peu une heure. Et bref, je voulais aussi avoir le sunset. Donc j'y vais, je pense que c'est fini. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Mais on va voir. Donc je vais goûter ça. C'est mid plate. C'est normalement une sorte de roast beef. des oignons frits, du riz blanc et un autre truc dont j'ai oublié le nom. C'est corned beef, mais je sais pas te redire ce que c'est exactement. Enfin, je suis pas sûre. Enfin, bref. Donc voilà. J'ai loupé le sunset. Je suis dégoûtée. Tant pis, ce sera pour demain. Bon, je vais manger moi. Et puis je vais finir ce vlog. Et on se retrouvera pour le jour suivant.